voudrais ici remercier Florence, qui a elle-même été hospitalisée à l'âge de 20 ans, qui est suivie en psychiatrie depuis 25 ans. Et quand je lui ai dit, mais Florence, la Mad Pride, quel trajet tu imagines? Et elle m'a dit, ben, on pourrait partir de l'hôpital de Sainte-Anne, hein, et arriver effectivement à la mairie de Paris. L'hôpital de Sainte-Anne, où bon, les gens étaient effectivement dans le passé enfermés. Aujourd'hui, c'est pas le sujet qui va vous parler, c'est pas le patient, c'est pas l'usager, c'est plutôt le citoyen engagé dans une association militante. La citoyenneté pour tous, sans exclusion, du respect. On ne s'attendait pas à autant de monde, et ça j'en suis fier, et ça veut dire que l'on peut recommencer tous les ans. Aujourd'hui on est toujours dans la stigmatisation, mais jamais dans la nuance entre la personne criminelle et la personne vulnérable. Ça va la Mad Pride? Et 5, 6, 7, quand je suis ce que je ne suis pas. À l'avance, ces rangs des canons trop élevés s'élèvent au-dessus de la meute, non par talent, mais par lâcheté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vive l'amour! Et faites l'exercice.